L'aéroport international de la Luanda Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. À son bord, un passager inhabituel, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, l'en a aussi remarqué la présence du Premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Haut-Katanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu et déposé sa couronne de fleurs. Par ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le Grand Katanga. Gabriel Kyungu Wakumwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelés à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba. Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, Baba Kyungu était un des piliers du régime du président Tshisekedi. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiambi en toute intimité familiale. Nous sommes à la phase d'inspection de l'endroit où sera érigé le mausolée du patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Sauf imprévu, Baba Kyungu Wakumwanza sera bel et bien enterré en sa ferme. Il faut ma fleur.
Après, bah, tu vas voir, tu n'as pas ma vie, tu n'es qu'à la cérémonie. Donc, il faut qu'on arrange la kumbele, kule, tout et tout. Bon, naturellement, Dia, il t'aura une ingiri à pas, et puis on va continuer, kule, et puis il faut que Dia ingine. Une précision. Chrétien a sauvegardé le mythe ya Baba. Il faut aussi wakamuti, wakahembe, par rapport à la cartographie qu'on a été planté. Juste à te permettre de faire un site touristique, pour faire ma payote, et bien tu vas nous à ma sucrée, et en même temps pour pérenniser cet argent pour consolider parti éternellement. Parce que tu n'as pas qu'il y a un peu de monde à ta voix pour diviser parti, tu n'as pas jusqu'au bout. Tu as mémoire, tu as honneur et à présent. Ok? Accentez ça. Et puis il y a qu'il faut insister, Batchungle, Chimamaï. On peut faire un puits pour l'arrosage. Après ça, on a un système solaire avec panneau. Vous avez de l'eau 24 heures sur 24 et vous pouvez arroser. Nous, même au-delà de ça, honorable, j'ai vu les qui est interminable. Non, il est psychonaturel. Mouton est psychonaturel. Oui. Mouton, oui. Il y a rotation. Mouton est capable. Il y a des choses qui vont être faites par rapport à l'animation. Il y a des choses qui vont être faites par rapport à la projection. Tout dans tous les cas, il n'a fait que qu'un grand pas. Là où l'État va s'arrêter, nous allons faire. Voilà. Bon, en tout cas, on a choukou le sang. Voilà donc l'endroit où sera érigé le mausolée. Mausolée dans lequel sera inhumé notre patriarche, le Baoba Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza, président national de l'UNAFEC. Sur demande des instances politiques provinciales, la nécropole de Lubumbashi vient de boucler les travaux de construction de la dernière demeure de feu Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza. Étendu sur 150 mètres carrés, ce mausolée a mobilisé tous les bras de la nécropole Rivière des Anges, et ce, pendant 48 heures, pour arriver au résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Eh bien, on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Ce nouveau quartier des mausolées est dédié aux personnalités emblématiques ayant marqué l'histoire politique du pays. Les gestionnaires de la nécropole de Lubumbashi n'attendent à présent que la mise en terre du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé samedi dernier à Luanda. En 1923, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour encore 5 ans. 5 ans plus 5 ans égale combien? Et d'ailleurs, pour être clément avec vous, il y a un thank you.